En ce temps-là, à Montbazin, la veine coulait tout le temps. Tous les jours. Tous les mois de l'année. Et de mémoire de vieux du village, on n'avait jamais vu son filet se tarir. C'était pas comme ça. Il s'est souvenu de quand il avait 10, 12 ans, qu'il s'asseyait là-haut sur le petit mur qui longe le cimetière, parce que de là-haut, on a la vue sur les collines. Et il s'est souvenu de ce temps-là et de comment l'horizon il était immense, comment il n'en finissait plus et comme il était plein de promesses. Il a poussé la porte et chez lui c'était plein de lumière, tout propre, les meubles cirés et le long des murs il y avait des étagères et sur les étagères il y avait des pots, des bocaux, des fioles et dessus il y avait toutes sortes d'étiquettes magiques, des noms incroyables et là sur la table il y avait des cartes de visite et sur les cartes de visite, il y avait écrit Jacob, herboriste. Brise bien ses visages.
temps en temps, à mon bassin, il y a du vent. C'était un grand vent du nord qui soufflait ce jour-là. On était à la fin de l'hiver et ce grand vent du nord était frais, froid, presque. Et l'on sentait les odeurs de neige venant du mont Lozère. Mais elle a entendu une voix qui disait « Dis donc, qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Elle a regardé et c'était un flamand rose. Alors le flamand lui a dit « Écoute, c'est facile, monte sur mon dos. » Alors elle est montée sur le dos du flamand. Le flamand a étendu ses ailes et elle s'est envolée